Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis cancer, ascendant aussi, vous avez votre signe lunaire en cancer, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2024. Comme d'habitude, le mensuel avec le grand tableau Lenormand et on commence tout de suite avec la première maison, la maison du cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons la maison. La maison, donc il peut y avoir ici, on vous rend visite ou vous rendez visite à un membre de la famille, ou alors vous recevez des nouvelles en rapport avec l'immobilier, par exemple, ou une nouvelle qui vient de la famille. Ensuite, dans la maison du trèfle, chance et opportunité, nous avons l'étoile. Donc ici, il y a bien quelque chose de positif, une opportunité qui vous permet d'avancer, de suivre votre destinée, peut-être de suivre votre intuition, d'écouter votre étoile intérieure. En tout cas, vous êtes guidé à suivre ce qui vient à vous. Voilà, c'est pour vous guider à saisir une opportunité. Dans la maison du Verseau, nous avons le renard. Donc peut-être ici, vous êtes amené à obtenir un rendez-vous avec un agent immobilier, courtier, peut-être notaire aussi, hein, donc le renard, il est rusé, il est malin, il fait des recherches, c'est un petit peu le rôle du détective. Donc ça peut être le courtier qui vous recherche un logement, ça peut être une recherche d'héritier par rapport à un notaire qui, voilà, par rapport à un héritage par exemple. Mais en tout cas ici, on nous parle de déplacement. C'est la carte maîtresse également pour le travail. Donc, il peut y avoir également une opportunité de sortir de votre zone de confort pour un déplacement professionnel. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'obtenir un rendez-vous concernant un rendez-vous professionnel. Dans la maison de la maison, qui se trouve dans la maison du cavalier, nous avons, bon, ici, il y a bien un choix, peut-être plusieurs propositions. Donc, peut-être aussi plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs opportunités qui viennent à vous. Et il y a une décision qui va devoir être prise par rapport à ces révélations qui viennent à vous, en rapport avec la maison ou l'immobilier, pardon. Le foyer, la famille ou l'immobilier. Donc, il y a plusieurs possibilités et un choix à faire par rapport à ces nouvelles qui viennent à vous, peut-être par rapport à ce rendez-vous. En se rappelant également que c'est une opportunité positive ici qui vient à vous. Dans le domaine de l'arbre, dans la maison de l'arbre, j'ai souvent tendance à dire le domaine, mais bon, pourquoi pas, mais dans la maison de l'arbre, nous avons le fouet. Le fouet peut nous parler de tension, peut nous parler aussi de désir, peut nous parler de rendez-vous médico-gynécologiques pour certaines ou certains d'ordre intime. On peut nous parler également de tension avec des membres de la famille. On peut nous parler aussi de désir. Donc peut-être un désir peut-être de naissance, peut-être un désir d'agrandir la lignée familiale. On peut nous parler également ici de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être aussi d'alléger certaines tensions au niveau de votre bien-être. Dans la maison des nuages, les doutes et les incertitudes, nous avons des communications. Donc, il y a des communications avec les oiseaux concernant ce qui vous perturbe un petit peu. Donc, peut-être dû à des tensions. Donc, c'est peut-être votre mental qui obscurcit votre esprit et qui vous amène une certaine confusion sur ce qui vient à vous. Peut-être par rapport à ce choix ici important que vous devez prendre. Peut-être par rapport à toutes ces possibilités, ces options qui viennent à vous et le choix que vous devez prendre. Il y a des communications qui vous perturbent un petit peu. Dans la maison du serpent, nous avons le bouquet, donc ici, cadeau, surprise, peut-être aussi un événement inattendu,
peut-être de la part d'une femme importante, ou alors peut-être même de rivalité. Il peut y avoir également ici l'idée d'un cadeau empoisonné pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, c'est peut-être cette confusion qui, ce cadeau empoisonné, c'est comme si que voilà, on vous fait une proposition et comme votre mental est confus, peut-être que vous dites c'est un cadeau empoisonné. Mais pas forcément, c'est une belle surprise. Le cadeau, c'est l'effet de surprise, c'est l'inattendu. C'est alors le serpent, c'est aussi une transformation, une évolution, donc comme la fleur ici, l'épanouissement. Donc il peut y avoir quelque chose qui se modifie, modifie sur ce qui est toxique, sur les liens ou les relations par exemple, ou une situation qui est toxique et quelque chose qui, voilà, qui est amélioré, qui est épanouissant, qui est florissant. Donc concernant la toxicité. Donc il y a ici l'idée de une guérison soudaine ou alors de quelque chose qui s'améliore. Peut-être tout simplement voilà, il y a eu de certaines tensions et puis tout d'un coup, il y a une certaine peut-être une réconciliation. Vous voyez, donc ici, s'il y a eu des conflits, jalousie, trahison, mensonge, etc. Eh bien, ici, on peut nous annoncer une réconciliation due à des communications soudaines et surprenantes. Dans la maison du cercueil, nous avons bon, le cavalier, donc la fin, la transformation, l'évolution. Donc, il y a une nouvelle ici qui vous a peut-être soudaine et surprenante, qui vous permet d'aller de l'avant, de sortir de votre zone de confort, voilà, le cercueil, on affronte ses démons intérieurs, et ce qui vient à vous, peut-être certaines des communications, des révélations, des opportunités, en tout cas, voilà, toutes les possibilités qui viennent à vous en rapport avec la famille, un membre de son foyer, ou concernant l'immobilier, vous apporte quelque chose de nouveau. Donc, c'est la fin d'une difficulté, c'est la fin de, voilà, c'est une libération d'esprit, je pense, ici, pour pouvoir sortir de ce cercueil, une renaissance, comme une renaissance, quelque chose qui revient, une réconciliation. Il y a vraiment ici l'idée d'aller de l'avant, il y a aussi de la rapidité, il y a aussi l'idée d'avancer, en fait, de sortir et d'avancer. Dans la maison du bouquet, le bouquet qui se trouve dans la maison du serpent, ben voilà, on a le cercueil, donc il y a bien ici une invitation à sortir de sa zone de confort, une invitation à se libérer de ses démons intérieurs. Donc c'est un effet soudain, surprenant, le bouquet. Donc cadeau, surprise, mais c'est vraiment une évolution, voilà, c'est une transformation. Il y a quelque chose qui se modifie. Dans la maison de la faux, nous avons l'ancre qui nous parle de sécurité et de stabilité, qui met fin justement aux blessures profondes. Par exemple, s'il y a eu des tensions, s'il y a eu des difficultés, peut-être on nous parle de retrouver aussi une forme de sécurité, de stabilité. Donc la faux peut nous parler de récolte. Donc récolter une nouveauté, quelque chose de nouveau, aussi soudain et surprenant que ça puisse paraître, apporte une sécurité, une stabilité et ici avec l'encre en général sur le long terme. Dans la maison du fouet, le fouet qui se trouve dans la maison de l'arbre, nous avons la tour. Donc ici, la tour, c'est l'isolement, c'est l'enfermement. Donc on peut nous parler ici de tension. Il peut y avoir des rendez-vous médicaux pour certains et certaines d'entre vous en rapport avec la tension. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de son désir intérieur. La tour peut représenter l'isolement, l'enfermement. Il peut nous représenter aussi l'idée de prendre de la hauteur, d'une certaine évolution, de gravir les marches avant le premier étage et puis de gravir au fur et à mesure les étages jusqu'à arriver en haut de la tour et d'avoir un point de vue différent, d'avoir un angle de vue différent et de pouvoir explorer de nouveaux horizons si on remet de l'ordre dans sa vie. Sinon, ça peut venir de la part d'un organisme ou d'une entreprise ici, par exemple, ou d'une agence immobilière juste en dessous du renard. Ensuite, les communications avec les oiseaux qui se trouvent dans les nuages. Nous avons ici, eh ben, l'arbre. Donc, c'est bien les tensions, des communications en rapport avec, pour certains et certaines d'entre vous,
le bien-être, la croissance, la source, la base, la racine d'une situation, ou alors de communiquer, peut-être aussi d'avoir un rendez-vous dans un jardin avec l'arbre ou dans un lieu où il y a beaucoup d'arbres. Pourquoi pas? Il peut y avoir un rendez-vous à l'extérieur, encore une fois, sortir de sa zone de confort, de communiquer à l'extérieur, peut-être aussi de, voilà, une fois que vous avez affronté vos démons intérieurs, de communiquer à l'extérieur aux personnes qui vous entourent de ce que vous, de votre bien-être, de ce que vous ressentez aussi. Donc, en tout ça, en tout cas, il peut y avoir éventuellement de prendre de la hauteur sur une réconciliation. Ou alors ici, on peut nous parler de rendez-vous médicaux suite à des tensions, peut-être voilà, quelque chose de tendu. Pourquoi pas de style tendinite ou quelque chose comme ça, les nerfs tendus en fait. Voilà. Stabilité, donc une nouveauté. Stabilité, sécurité. La tour et la santé peut représenter le bâtiment médical et puis peut représenter aussi notaire, le généalogie ici avec l'arbre, donc de communiquer. Donc il y a bien un rendez-vous, quelque chose, des opportunités, toujours en rapport avec la maison ou la famille ou le foyer. Ou alors on peut nous parler ici d'agence immobilière à l'extérieur. De communiquer sur son désir, son bien-être, sur ce que l'on recherche, sur l'épanouissement, peut-être sur un endroit où boisé, par exemple. Dans la maison de l'enfant, qui nous parle de l'enfant lui-même, hein, bien entendu, ou d'une nouveauté ou de quelque chose de nouveau, donc on peut nous parler d'un nouveau contrat. Ici, il y a des correspondances, de nouvelles correspondances, de nouveaux documents administratifs, quelque chose de nouveau, ou en tout cas des documents administratifs pour quelque chose de nouveau, ou par rapport à un enfant. Peut-être s'il y a un désir de grossesse ici, il peut y avoir des résultats suite à des tests de grossesse. On peut nous parler également ici d'un nouveau contrat, peut-être professionnel ou concernant le logement, ou concernant des documents familiaux. Dans la maison du renard, donc le renard qui se trouve dans la maison du vaisseau, nous avons bien l'enfant. Nous avons bien ici, alors, nouvel emploi, nous peut-être aussi voilà, donc, nouvel emploi, ce qui vient à vous, pour une nouveauté ou nouveau projet. On peut nous parler également dans le domaine professionnel, un nouvel emploi ou une nouvelle formation, quelque chose de nouveau, de nouvelles études, de nouvelles. Voilà, en tout cas, tout ce que vous allez entreprendre sur une nouveauté ou un nouveau projet ou pour un jeune enfant, par exemple, ou une personne plus jeune que vous, peut-être oui, une nouvelle formation ou d'apprendre, même si vous n'êtes pas un enfant, bien entendu, à n'importe quel âge, on peut passer, faire de nouvelles formations, c'est possible. Ensuite, ici, la maison de l'ours. Force, pouvoir et protection, carte maîtresse pour l'argent. Ici, nous avons les souris. Il peut y avoir éventuellement ici, alors ici, un nouveau contrat, un nouvel engagement professionnel. Et ici, nous pouvons nous parler de destruction progressive des richesses. On peut nous parler aussi de votre stress. Ou alors, on peut nous parler d'une personne qui a l'autorité, qui est plutôt stressante, qui vous stresse, qui vous ronge. Donc ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un patron, comme ça peut être un parent protecteur, puisque nous avons l'enfant ici. Donc on peut nous parler d'un mentor, hein, une personne qui a le pouvoir assez stressant. Ou alors on peut nous parler ici voilà, de destruction progressive des richesses, hein, puisque l'ours est la carte maîtresse pour l'argent. Donc il peut y avoir un petit souci financier ici. Ou alors c'est le stress, hein, puisque nous avons les communications stressantes ici, ce qui là peut-être aussi. Donc il y a peut-être quelque chose de stressant. Dans la maison de l'étoile, l'étoile qui se trouve ici dans la maison du trèfle, donc l'opportunité, la chance ou la seconde chance, peut-être cette réconciliation qui voilà, qui perturbe un petit peu, qui est stressante. Et nous avons le jardin, donc il y a bien un rendez-vous. Donc ici,
l'opportunité d'obtenir un rendez-vous à l'extérieur, peut-être une nouvelle rencontre, de suivre sa destinée, c'est de suivre, d'être sur le bon chemin, de peut-être les possibilités, les options, le choix à prendre suite à ce rendez-vous qui a un rapport avec le porteur de nouvelles, ce qui vient à vous. Et c'est une chance. Alors, est-ce que ça serait une chance de se réunir à l'extérieur et puis de communiquer ici sur ce qui sur des peut-être aussi de comment dire de remettre les pendules à l'heure avec une personne avec qui il y a des tensions, peut-être de pouvoir aller vers une guérison, vers une réconciliation. Donc la chance, la seconde chance, c'est voilà, de repartir sur de bons pieds, d'être guidé à se pardonner. Alors ça peut être vous pardonner à vous-même, ça peut être pardonner à autrui, mais en tout cas, il y a l'idée ici d'obtenir un rendez-vous, un lieu de rencontre, de se retrouver. Donc voilà, c'est de se retrouver, de se pardonner ou de se retrouver, ou alors de rendre visite lors d'un rendez-vous pour, par exemple, un rendez-vous médical ou un rendez-vous avec un agent immobilier ici concernant l'immobilier. Ensuite, la cigogne, changement, déménagement. Bon, ici, nous avons la consultante. Donc, est-ce que c'est la consultante ici qui va vivre un changement ou qui apporte un changement? Ça, on ne peut pas savoir. On peut nous parler ici d'une grossesse, hein, donc peut-être des résultats concernant le désir d'agrandir la famille, puisque nous avons aussi l'enfant à côté de la lettre du fou et qui peut représenter le désir. Dans la maison de l'arbre, la généalogie qui se trouve aussi juste à côté. Donc, il peut y avoir ici le désir d'agrandir la famille. Après, on peut nous parler désir de grossesse, donc le désir de déménager. Ça peut être le changement, donc un déménagement pour la consultante ou une promotion professionnelle ici, un nouveau projet, quel qu'il soit. Ici, c'est la naissance d'un enfant, d'un projet de déplacement. Oui, on peut ici, la clinique peut représenter également des tensions. Ça peut être par exemple des contractions. Voyez. Donc, si ça concerne la consultante, il peut y avoir éventuellement de devoir se déplacer dans un lieu médical, dans la maternité particulièrement, pour donner naissance et ici d'agrandir la famille. Donc ici, l'enfant dans le travail, voilà, c'est peut-être que l'enfant, le travail, voilà, c'est ça, le travail se met en route. Et ici, la souris dans l'ours, donc le parent protecteur, la mère protectrice particulièrement, qui stresse par rapport au travail de la naissance, c'est possible. Et l'extérieur, ici, le lieu de rencontre, l'étoile, l'opportunité, la chance. On a encore ici le travail. Donc, vous êtes amené à vous déplacer. Peut-être que le porteur de nouvelles, c'est un membre de la famille qui annonce une naissance. Donc, vous êtes amené à vous déplacer pour donner naissance ici. Et l'extérieur, c'est le lieu de rencontre, c'est la rencontre avec son enfant, pourquoi pas. Là, ça, c'est clair qu'il y a peut-être une naissance pour la consultante, sinon c'est déménagement et sinon un nouveau projet ou peut-être une promotion professionnelle ou une opportunité professionnelle pour la consultante. Ici, dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, ici, c'est ce renard. Donc, vous êtes amené à vous déplacer, alors peut-être de rendre visite à un ou une amie ou une personne de confiance, en tout cas une personne proche de vous qui peut vous soutenir, qui peut vous guider aussi. Donc, si ça représente un agent immobilier, c'est une personne de confiance qui peut vous guider. Pour d'autres, ça peut être voilà, de rendre visite à un ou une amie, ou alors c'est un ou une amie qui vous rend visite. En tout cas, il y a du mouvement, les choses bougent, les choses avancent. Et vous êtes guidé et soutenu. Dans la maison de la tour, la tour qui se trouve dans la maison du fouet, le fouet, l'arbre, les oiseaux, les nuages. Nous avons la cigogne, la naissance. Donc ici, clairement, là, on avance, on va ici à la tour
pour donner naissance, on peut nous parler d'un changement, changement d'organisme, on peut nous parler de déménagement dans un immeuble, que ce soit d'une entreprise, changer d'entreprise dans un immeuble ou changer de. Voilà, donc ici, il y a des choses qui bougent. On peut nous parler de déplacement professionnel, pourquoi pas, un nouveau poste aussi professionnel, de prendre de la hauteur, d'évoluer. Donc, on peut nous parler éventuellement ici, pour d'autres, une promotion professionnelle, une évolution. Ici, donc, la maison du jardin, le jardin, l'étoile, le trèfle. Et bien là, c'est pour le consultant ici, donc le lieu de rencontre avec le consultant. Donc, lieu de rassemblement, lieu de rencontre, donc il y a un rendez-vous avec un consultant, ou ici, c'est peut-être la rencontre, vous voyez, c'est le lieu de rencontre, ici, l'étoile, l'opportunité, la chance, l'opportunité, peut-être pour ici les deux parents suite à une naissance. Pour d'autres, on peut nous parler de voilà, ce qu'il y a entre ces deux personnages, c'est un changement, peut-être un changement de véhicule, peut-être un changement, un déménagement. Et ici, en tout cas, c'est un lieu de rencontre, donc avec cette personne. Ça peut être le médecin, par exemple. Ensuite, dans la maison du Mont, blocage, nous avons la Lune. Donc, on voit bien ici qu'il y a un blocage. Il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a peut-être aussi des peurs, des angoisses, peut-être aussi de ne pas y voir très clair. Hein. C'est ça comme dans les communications ici, d'être dans la confusion. Et je pense qu'il y a une certaine aussi confusion ici concernant un blocage. Peut-être aussi on peut nous parler de retard sur le soir ou sur la nuit, un blocage nocturne ou un retard ou quelque chose qui est reporté ou quelque chose qui. Voilà, c'est comme si que vous êtes face à un mur et que vous n'arrivez pas à y voir très clair sur une situation, sur un avancement. Dans la maison des chemins, donc les chemins, on l'a eu, oui, la maison, donc la maison, le cavalier, les choix, les décisions et les options. Donc ici, le soleil, bonheur, joie, réussite, épanouissement, guérison. Une bonne énergie positive, ambiance chaleureuse, quoi encore, donc ici, bon, enfin bref, c'est réussite ici sur les choix. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, les choix et les options qui viennent à vous, la décision que vous allez devoir prendre, eh ben, c'est une opportunité positive qui vient à vous. Ensuite, ici, les souris qui se trouvent dans la maison de l'ours, nous avons les poissons. Donc, il y a bien ici l'inquiétude d'une. C'est la carte maîtresse pour l'argent. Donc ici, c'est les transactions financières. Ça peut être aussi la richesse émotionnelle, pas forcément pécuniaire, mais ici peut-être émotionnelle lors d'un rassemblement avec un groupe de personnes. Donc il peut y avoir éventuellement une réunion professionnelle stressante, mais qui apporte richesse et abondance. Ou alors il peut y avoir un grand stress dû à des soucis financiers. Ensuite, ici, le cœur, l'amour, l'affection et les sentiments. Donc, on voit bien ici hein, que les communications, il y a une certaine confusion. Peut-être aussi l'idée d'avoir été illusionné. Voilà, peut-être de ne pas d'être aveuglé, de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Et il y a des communications en ce sens. Et ici, on comprend soudainement ce qui vous mettait en danger. Ou c'est peut-être votre mental qui vous a joué des tours. Et ça, vous le comprenez. Donc, il y a bien ici une confusion dans les sentiments, une confusion dans l'amour. Peut-être que vous avez reçu des signes. Peut-être que pour vous, c'était une relation amicale. Et puis tout d'un coup, ici, avec le bouquet, la soudaineté, la surprise. Eh bien, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. Peut-être que vous pensez que la personne en face de vous ne vous aimait pas du tout et puis c'était une complète confusion. Et en communiquant, ben, il y a un éclaircissement. Et puis là, vous comprenez que ben, finalement, ce n'est pas du tout ce que vous pensez. La personne ne pense pas du mal de vous, par exemple. Donc, on voit qu'il y a une certaine confusion dans l'amour et l'affection, dans les sentiments.
Et on voit que c'est ce qui stresse, hein, les communications stressantes et la confusion. Donc, c'est comme si qu'il y a une relation ou un état d'esprit qui n'arrivait pas à y voir très clair sur une situation ou sur une relation, et ça vous perturbe un petit peu les sentiments ou vous êtes en pleine confusion. Dans la maison de l'anneau qui nous parle de contrat, d'union, de partenariat, nous avons le livre. Donc, on peut nous parler de contrat d'apprentissage pour certaines d'entre vous, de nouvelles études, de nouvelles formations. Pour d'autres, on peut nous parler également de partenariat, c'est-à-dire d'avoir la révélation, d'avoir peut-être ce qui était caché, d'avoir la réponse, d'avoir la décision concernant partenariat, union, contrat, quel qu'il soit. Dans la maison du livre, hein, donc les secrets révélés, les informations, les documents classifiés, hein, ou les documents d'apprentissage, tels les livres scolaires par exemple, hein, donc c'est pour ça qu'on parle d'études et de formation. Le livre, nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance. Donc vous pouvez compter ici, si ça concerne des documents par exemple. Je reviens ici sur le courtier, notaire, agent immobilier. On peut nous parler également ici, pourquoi pas, de détective, hein, pour certaines d'entre vous. Sinon, c'est de nouvelles formations professionnelles venant de la part d'une personne de confiance. On peut nous parler aussi de, voilà, donc ce vaisseau, donc l'avancement, le guide, d'être guidé, des révélations qui viennent à vous, qui vous permettent d'avancer. Et puis, vous pouvez faire confiance et de suivre votre instinct naturel, tel le chien ici, d'être guidé, d'être très, voilà, de suivre son instinct, de suivre sa destinée, c'est ça. Ensuite, dans la maison de la lettre, qui se trouve dans la maison de l'enfant, le renard, on revient ici, donc forcément, c'est pas étonnant. Le vaisseau, donc le chien qui est juste à côté du livre, le livre qui est juste à côté du chien, donc l'anneau, le contrat, la lettre, on parle ici éventuellement de contrat. Alors, correspondance, alors, ici, c'est avec ce bouquet, cette soudaineté, sur une femme importante, donc des correspondances avec une femme importante. On peut nous parler aussi de correspondance concernant de correspondre avec son ennemi, peut-être pour une réconciliation, donc ici avec une personne manipulatrice, voilà, donc l'effet de surprise, des communications soudaines avec cette personne, et peut-être pour éclaircir une situation et puis peut-être même une réconciliation. Pour d'autres, on peut nous parler de transformation, de mutation, donc peut-être un nouveau contrat professionnel, mutation professionnelle en tout cas. Un changement dans un contrat qui est soudain, qui est surprenant, quoi qu'il en soit. Mais ici, il y a des correspondances avec une. Voilà, donc pour une transformation, pour une évolution. Dans la maison du consultant, le consultant qui se trouve dans la maison du jardin, l'étoile, le trèfle, nous avons l'ours. Donc, vous voyez qu'on est ici juste à côté de la maison de l'étoile, l'ours, le consultant ici, c'est peut-être une personne qui a le pouvoir, l'autorité, ou c'est une personne ici qui stresse, ou alors ici, il peut y avoir ici le lieu de rencontre avec un chef d'entreprise, et ça vous stresse, ça vous ronge, ça ne veut pas dire qu'il y a. C'est pas la personne qui est stressante. Mais c'est peut-être votre état d'esprit que voilà, cette réunion professionnelle vous stresse et vous ronge. Peut-être parce que cette personne a une certaine autorité. C'est peut-être une personne autoritaire. Peut-être un médecin strict, comme un patron strict. Ça, c'est possible. Donc, ça crée un stress et ça vous ronge, cette réunion professionnelle. On peut nous parler également de réunion professionnelle, peut-être pour un changement de poste, changement de voie et tout ça. Peut-être que vous l'attendez, c'est ce que vous désirez, puisqu'on a l'étoile ici avec la chance et l'opportunité, donc c'est ce que vous désirez, mais en même temps vous êtes vachement angoissé par rapport à cette réunion. Pour d'autres, on peut nous parler ici que le consultant, et on peut nous parler d'un parent protecteur qui est stressant peut-être aussi. Pour d'autres encore, c'est les soucis financiers concernant le consultant, peut-être voilà
Alors, est-ce que c'est le consultant qui va recevoir une facture ou alors est-ce qu'il peut des frais médicaux, par exemple? Voilà, donc il peut y avoir en ce sens, mais on peut nous parler également le consultant qui a la force de protéger, donc un médecin qui donne naissance. On peut nous parler voilà, de protection, de force et de pouvoir. Peut-être force et pouvoir pour affronter son ennemi, pour se réconcilier, quelque chose comme ça, avec l'amitié, par exemple, ou une personne avec qui vous, voilà, peut-être il y a eu une certaine confusion et des communications qui vous a perturbé un petit peu l'esprit par rapport à la sincérité d'une personne de confiance. C'est possible. Dans la maison de la consultante qui se trouve dans la maison de la cigogne, nous avons le lys. Alors ici, bon, on est clair que dans une naissance, forcément, le lys va représenter la pureté de l'enfant, l'innocence. On peut nous parler également d'officialisation pour la consultante. Alors on peut nous parler aussi d'un parent masculin, donc un père, un grand-père ici. On peut nous parler d'une personne plus âgée, expérimentée, qui a l'expérience et connaissances pour apporter peut-être ce changement à la consultante. On peut nous parler aussi d'un héritage pour la consultante, suite ici par exemple recherche d'héritier. On peut nous parler voilà, de transmission de savoir et de connaissances pour la consultante. En tout cas, la consultante, on peut nous parler, on peut nous dire aussi que c'est une personne sincère, honnête et loyale. On parle de loyauté ici. En tout cas, c'est positif. Qui vient à vous, qui vous stresse, qui vous ronge pour une opportunité, là c'est le bonheur, le succès, et là, loyauté, officialisation. Ensuite, on peut nous parler, pourquoi pas, je n'ai pas encore l'anneau, mais peut-être aussi d'une demande de mariage, demande d'engagement, emménager ensemble. Il peut y avoir une officialisation dans une union entre ces deux personnes ici, donc ça peut être de vivre ensemble, donc. Voilà pourquoi il y aurait le déménagement, donc c'est l'emménagement. On peut nous parler d'union avec la tour, peut représenter un établissement religieux, par exemple, donc peut-être éventuellement une demande en mariage, puisque nous avons ici le contrat, l'enfant, la nouveauté, peut-être de s'engager à fonder une famille. Et ici, on a l'anneau, le livre, la révélation. Donc peut-être que vous allez avoir, pourquoi pas ici recevoir, voilà, et c'est peut-être ça ici le cercueil de sortir de sa zone de confort. C'est peut-être une demande de vivre ensemble ou vivre ailleurs ou de fonder une famille. Voilà. Il y a l'idée de sortir du cloître en fait. Ensuite, donc le lys qui se trouve juste à côté, ben, on a la paix, la tranquillité au niveau du cœur, voyez, là où il y a une certaine confusion, là où les sentiments étaient un petit peu perturbés, où on n'y voyait pas très clair sur ses sentiments, et bien ici, c'est le cœur qui est dans la tranquillité, la paix, l'honnêteté, loyauté, donc un cœur pur, une déclaration sentimentale ici, peut-être une union. Je ne serais pas étonnée que dans la maison du soleil, il y a l'anneau, par exemple, puisque l'anneau, c'est la croisée des chemins, c'est le choix ici, le choix de la maison, donc de la famille, etc. Donc, dans la maison du soleil, dans la maison du soleil, ce choix positif, l'anneau. L'anneau. Donc ici, il y a vraiment un engagement, une réussite, un contrat, une union, un partenariat, une association, que sais-je encore, mais bon, voilà. Donc ici, il y a un engagement positif. Regardez-moi ça, on a un contrat positif. Nous avons les options, la possibilité, donc les chemins qui sont dans sa diagonale. Donc, choix, option, possibilité, positif. Le contrat, nouveau contrat, donc ici, nouveau document.
Donc, ça peut être de nouvelles signatures, ça peut être de remplir de nouveaux documents pour une inscription à une formation ou peu importe l'engagement. En tout cas, on a le contrat, on a l'anneau qui est dans le soleil qui se trouve dans la maison du chemin, les chemins qui sont bien ici dans la maison et l'enfant, la nouveauté. Donc, clairement qu'ici, il y a quelque chose, un nouvel engagement positif. Dans la maison de la lune, on l'a eue. Oui, ici le mont. C'est vrai qu'on n'a pas encore eu le mont, donc il y a peut-être ici. Ah, ben non, super. Donc une chance, opportunité, c'est l'étoile, le rendez-vous extérieur, le lieu de rencontre. Donc il peut y avoir ici éventuellement une invitation à un mariage ou alors voilà, de célébrer un événement. C'est une chance, une opportunité, une seconde chance. Peut-être aussi, voyez, donc la lune sur vos doutes, les blocages. Hein, donc ça reste dans les confusions du cœur. Et là, bon, bah, tous, il y a une paix, une tranquillité. Le cœur, ici dans le lys, qui retrouve voilà, une paix, une tranquillité. Et certainement pour la consultante, ici, peut-être si elle donne naissance, forcément, eh ben, voilà, c'est un nouvel engagement, forcément, d'avoir de recevoir un enfant, enfin, de donner naissance à un enfant, tout comme recevoir une demande affective ou l'idée d'emménager ensemble ou un nouveau logement, peu importe. Ici, on voit que c'est bien cette opportunité, c'est l'étoile, c'est les vœux, les souhaits, c'est vœux exaucés, c'est les désirs, c'est le guide, c'est voilà, c'est vraiment suivre sa destinée, c'est la réputation, la reconnaissance publique aussi, donc peut-être aussi de se réconcilier avec une personne avec qui il y a eu des tensions. Voilà, c'est l'idée d'éclaircir ce qui est confus, ce qui bloque. C'est que là, ici, à partir de ce moment-là, tout se débloque. Ensuite, on va passer sur les quatre dernières, qui sont un petit peu en désordre, à force de bouger devant. Je vais essayer de remonter un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Et redescendre ça. Voilà. Donc dans la maison de la clé, les poissons, l'ancre et la croix, pour les quatre dernières, dans la maison de la clé, sachant que nous n'avons pas eu la clé, nous n'avons pas eu la croix, les poissons se trouvent ici dans les souris l'ours, l'ours le consultant, le jardin, l'étoile, le trèfle, le trèfle qui se trouve ici dans la lune, le mont. Donc il nous manque la clé, le mont. L'encre, non, l'encre est ici. Donc la faux, il nous manque la faux. Donc la récolte et la croix. Donc la clé, la croix, le mont. Waouh! Si c'est vraiment là-dedans, enfin, elles sont obligées d'être ici, c'est les quatre dernières. La clé, succès, ouverture, réponse et solution. Eh bien voilà. C'est une réussite, là, ce qui vous perturbe. Vous voyez que là, c'est le déblocage ici, donc les nouvelles ouvertures. Peut-être, voilà, c'est un défi, c'est un challenge, ce qui vient à vous. C'est l'idée voilà, d'une certaine difficulté qu'il faut dépasser. Et pour cela, une solution est apportée ou des réponses à vos questions. Peut-être par rapport à une détention. Il y a des réponses à vos questions. C'est peut-être aussi la solution ou peut-être aussi une délivrance face à une situation qui est bloquée, peut-être aussi un rendez-vous reporté, pourquoi pas, mais en tout cas une certaine confusion qui éclaircit. Donc voilà, on trouve un moyen, on trouve une solution, il y a de nouvelles possibilités pour contourner ce mont ou pour le franchir et arriver au sommet, prendre de la hauteur et d'explorer de nouveaux horizons. Donc qu'est-ce que va nous dire ici les poissons? Qui vous stresse et ce qui vous ronge dans le domaine financier ou concernant un groupe de personnes. La richesse et l'abondance. La clé. Une solution. Donc ici, s'il y a blocage financier, souci financier, une solution est apportée. C'est la clé de nouvelles opportunités qui viennent à vous. Donc ça peut être lors d'un rassemblement avec un groupe de personnes, peut-être pour communiquer et d'avoir des éclaircissements, donc avoir des réponses à vos questions. Pour d'autres, ça peut être si un souci financier, une solution est apportée, peut-être par rapport à l'ours. L'ours, c'est le consultant, vous voyez? Donc, ça peut être, par exemple, un patron qui vous
qui vous fait une proposition, ou par rapport voilà, à un parent protecteur qui trouve une solution pour vous et débloquer une situation. Donc, s'il y a un blocage, sachez que ici, une solution, une opportunité sera trouvée. Ici, ensuite, l'encre, la faux, donc les récolter une sécurité, une stabilité, certainement sur le long terme, sur la nouveauté qui vient à vous. Nous avons la croix, tristesse, chagrin. Donc ici, il y a un fardeau qui est là, qui est bien ancré, qui est bien profond. Peut-être qu'il y a eu des blessures vraiment très profondément. Et ici, ça a perturbé la stabilité. Peut-être ici, il peut y avoir éventuellement des tensions qui sont là, qui sont persistantes. On peut parler, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, des tensions qui sont bien ancrées. C'est la racine, c'est la base de la situation, de la relation qui a été affectée. Donc, il peut y avoir ici, voilà, c'est un fardeau, c'est la tristesse, c'est le chagrin. Donc, on est d'accord qu'ici, c'est drôle, c'est qu'on a la croix sur l'encre et je suppose que nous aurons la faux sur la croix qui nous parle de récolte. Et la croix se trouve sur l'encre qui se trouve sur la faux. Donc, ici, sécurité, stabilité, tristesse, chagrin, récolte. Sachant que c'est sur la faux. Donc, il peut y avoir ici une décision importante sur un fardeau qui apporte sécurité et stabilité. Peut-être il y a un sentiment d'insécurité face à un souci, mais une solution est trouvée. S'il y a un blocage, s'il y a peut-être aussi des ouvertures bloquées ou quelque chose qui était... voilà, c'est l'idée de récolter, de prendre une décision en ce sens. Pour vous libérer de votre tristesse, de votre chagrin, de votre fardeau, et de retrouver une sécurité, une stabilité. Décision, récolte, coupure, se débarrasser d'eux. Voilà, voilà pour vous, amis cancers. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour le mois de septembre 2024. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et je vous embrasse. Bisous, bisous.